soit la gloire, car il règne pour toujours. Et nous aussi, nous régnons sur la terre, nous régnons sur les ténèbres, nous régnons sur les dominations. Nous contrôlons les puissances de la sorcellerie. Nous dominons par son esprit et par son nom qui est au-dessus de tout nom. N'oubliez pas, le nom de Jésus, le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste se réfugie et se trouve en sécurité. Bienvenue au défi de la prière, car au défi de la prière, nous prions, nous intercédons, nous parlons en langue, nous nous sanctifions, nous réveillons la conscience de la pureté et nous prions avec l'intégrité de la parole de Dieu. Nous activons la véracité de la parole de Dieu. Et après cela, le Seigneur nous montre sa grâce, le Seigneur nous montre sa miséricorde, le Seigneur nous démontre sa fidélité. Bienvenue encore une fois au défi de la prière. Likez la vidéo maintenant, enregistrez votre présence et soyez prêts à nager dans les règnes de la prière. Soyez prêts à nager dans les règnes de la prière. Je vais vous dire quelque chose rapidement. Si vous pouvez prier, il y a de l'espoir. Si vous pouvez prier, le ciel peut encore reconsidérer ce dossier. Mais si vous ne pouvez pas prier, il n'y aura pas un ange qui introduira votre dossier au conseil céleste. Les dossiers sont introduits au trône, au conseil des ministres angéliques, par l'instrument de la prière. Pas l'instrument de la parole, non. L'instrument de la prière. Si vous voulez que votre dossier soit introduit au conseil des anges, pour que les 24 vieillards puissent insister, que l'agneau puisse porter une attention particulière à votre dossier. Si vous voulez que les quatre êtres vivants puissent dire gloire, gloire, gloire à l'agneau, et en fin de compte, qu'ils puissent dire au Seigneur que votre dossier est urgent. Si vous voulez que les anges qui sont de la classe des anges de l'intercession, il y a les anges de l'intercession. Dans le groupe de l'intercession, Jésus-Christ est le maître. Et il y a les anges de l'intercession qui l'assistent. C'est pourquoi vous pouvez voir dans Job 33, la Bible déclare, s'il se trouve pour lui un ange intercesseur. Donc Jésus-Christ est le chef de l'intercession, mais il y a les anges, il y a un groupement, il y a une force d'intercession. Et si vous voulez que cette force d'intercession puisse intervenir à votre sujet, vous avez besoin de la prière. Vous ne pouvez rien faire dans ce monde, je vous assure, d'atrocité accrue, de méchanceté élevée, sans l'instrument et la capacité, l'efficacité de la prière. Si vous êtes en ligne, likez la vidéo, nous allons commencer par prier, nous allons parler en langue et nous connecter au trône. Asi Gabriel Katabrian Teliva Hande Sikamande Abelorofozo Higabarade Yegezo Brada Gabina Zabrus Alimandebo Bakari Andaske Azakilondo Zeketeboro de Gavia Briande Kedevaranus Brana de Valurus Abela Radia Velarus Agubre Nadelia Murde Gadavria Mundahia Zabrus Abale Bala grama talia zagadoria bandila radia kedosh. Alubru namakuze. Alubru degede vadia zizo. Darade shatia gava. Akudebrene kete izamo. Adaria. Ilano shugaliga bahadesh. Adino dobro godore bedi agabadesh. Abera nigaha niga. Ezuge de brogodo e gabadahandi, e gadabila gadesh, e gabadahandi, e zegederus, a gabruyandosh, a bila mande kaile baru zegede gadaha, zagudu gudu, e badarabadea, e balilo koko gregede, kakeda braga galia gadash, badegregede, gregede, gregede, zagadarush, a badegamadesh.
E loro doma kita ni Brahadiaskova, ale marna di Yankova, so lido bulanga badi agabanya geban, abadurundus, abaradiadi, zagadarushka, e gadariande, e zakatuli agragadesh, akubelerede kenabaru katia baruze, alugreni galamunda raboski daha. Quand je priais, j'ai entendu le Seigneur me dire de vous dire que à partir de cet instant, tous ceux qui vous défiaient dans le combat spirituel seront défiés. Je vous assure, j'ai entendu le Saint-Esprit me dire de vous dire, tous ceux qui vous défiaient dans les combats spirituels seront défiés. Parce qu'il est impossible de défier le Seigneur. Et nous sommes au défi de la prière. Nous sommes au défi de la prière. Un cercle d'action de prière par lequel le Seigneur nous renforce pour défier nos ennemis. Nous allons prier maintenant. Je vais vous enseigner quelque chose. Comprenez que le péché est le plus doux poison qui existe dans le monde. Je répète, je suis en train de vous enseigner sur le péché. Et je dis, le péché est le plus doux poison du monde. Je vous assure, il y a des gens qui ont le cancer aujourd'hui, c'est à cause du péché. Ce n'est pas parce que le diable ou la sorcellerie a projeté le péché dans leur corps. Il y a des gens qui ont mangé leur dîme et cela est devenu du poison dans leur corps. Il y a des gens qui ont mangé de l'argent volé, qui est devenu du poison dans leur corps. Le péché est la nourriture la plus douce, le plus circulant, mais un poison très dangereux. Quel que soit le péché auquel vous êtes connecté, attaché maintenant, qui est en train de vous donner une plaisir momentanée, déconnectez-vous. Parce que vous êtes en train de consommer un poison lent qui vous tuera après et qui pourra ronger vos os, ronger votre destinée, ronger votre vie, ronger votre génération, même vos enfants. Vérifiez les familles dont les grands-pères, les aïeux avaient affermi la justice. Les petits-enfants sont en train de récolter les fruits. Mais examinez les familles dont les grands-pères étaient des idolâtres et ont volé les terres des gens avec des gris-gris. Les enfants sont en train de payer. Ne mangez pas un poison lent. Déconnectez-vous de tout plaisir momentané. Dites au Seigneur, si tu ne me bénis pas, je resterai ainsi. Je ne veux pas compromettre. Je ne veux pas changer les chiffres pour avoir de l'argent. Vous savez, la Bible déclare la balance fausse est en horreur à l'Éternel, mais le poids juste lui est agréable. La balance fausse. Quand la Bible dit en horreur à l'Éternel, quand le Seigneur voit ses actes, le Seigneur l'Éternel vomit. Il a cela en horreur. Si vous utilisez une balance fausse, repentez-vous maintenant. Que la conscience de la pureté soit activée en vous. Ne vous amusez pas avec le péché ni avec l'iniquité. Ne dites pas au diable, tu as la licence pour détruire ma vie. Vivre dans le péché, c'est dire au diable et son royaume, vous avez la licence pour opérer des activités et des transactions maléfiques dans ma vie. Mais marcher dans la pureté, c'est donner la licence à l'Éternel et à la lumière d'opérer et d'exercer la justice dans votre vie. Ne mangez pas ce poison-là. Répentez-vous, répentez-vous, répentez-vous. Même si vous oubliez tout au cours de cette séance de défi de prière, souvenez-vous que le Seigneur est en train de vous enseigner que ce péché auquel vous êtes connecté, attaché, est un poison lent, capable de ronger
votre vie, votre destinée, votre famille et les générations après vous. Même si vous êtes méchant, soyez méchant seulement pour vous-même. N'hypothéquez pas la destinée de votre famille, la destinée des générations à venir, à travers l'abomination, à travers l'iniquité, à travers le péché, à travers la méchanceté. Repentez-vous et vous verrez la gloire de Dieu. Nous allons prier maintenant. Nous allons prier contre le péché. Vous savez, il y a plusieurs personnes qui veulent se repentir, mais qui n'ont pas la force, qui n'ont pas l'énergie. Et nous allons prier maintenant la force et l'énergie pour se déconnecter complètement du péché et de l'iniquité. Descends sur ma vie. La force et l'énergie pour se déconnecter du péché et de l'iniquité. Descends sur ma vie. Alaminda babo rima sanda agadurush anina keleke haya nagazagaze agudu gudu li kamaradi atere azagaduru duru ezegende ayada mande 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 azagaduru duru ezegelege abami baga tu sakila bahadesh alugwa dege dege ezelebombo kuku belena mayante azugudugudugudu ege degadi agadesh abere dagia tabala hande tabila hande tabila hande arage dagada ezegederush. La vie d'un frère qui s'appelle Gérard, je vois des vers, et ces vers là, ce sont des vers sataniques, des vers de l'impudicité. Ce sont des vers qui vous donne le désir pour l'impudicité. Que ces vers de tes mains maintenant au nom de Jésus, que ces vers qui vous incitent à l'impudicité meurent de votre corps au nom de Jésus. Que les vers de l'impudicité qui vous excitent au péché meurent de votre corps au nom de Jésus. Élevez votre main droite, dites mon Père, pendant que je prie, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je reçois l'énergie et la force pour me débarrasser du péché et de l'iniquité. Je reçois la force, je reçois l'énergie. Commencez par prier. Marados Kela, Abilarados, Agabelarabe daziza bushida, Abelaradabo dahede zigadube, Akinorodos keli hadi baratai, Alamuntabre, je reçois l'énergie, je reçois la force pour me débarrasser de tout péché, de toute iniquité, de toute abomination. Je reçois la force. Agalabia, Rendemo kogoloko vazigalabahane le bahane. Abalarios, agadadada, abadalalio kuta igenereke kuta ligaradia zigadesh. Abaliro godobro godoroboni makalabahandia, dasi kote baliga baradus, agude bregedele kete, azagadarus, abamani amani, akaguna, kaguna, 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 zgedehe, azagidigidi. Il y a une femme que je vois en France. Excusez-moi le terme. Je ne sais pas comment utiliser la sagesse pour le dire. Vous êtes en train d'utiliser votre corps pour faire de l'argent. Vous êtes en train d'utiliser votre corps. Et le Seigneur vous a amené en contact de cette vidéo. Et le Seigneur est en train de vous dire, cessez maintenant. Parce qu'à partir de cet instant, votre corps va commencer par se détériorer. Détériorer complètement. Vous ne pouvez plus supporter votre corps. Donc, repentez-vous maintenant. Repentez-vous. Le Seigneur vous donne maintenant la grâce pour vous repentir. Nous allons continuer la prière. N'oubliez pas, l'un des mystères que le Seigneur nous a donné, que nous avons compris, c'est l'assainissement des vies, des foyers, des entreprises, de vos biens et de votre environnement. Et nous faisons cet assainissement chaque fois. Peut-être que l'ennemi a déjà pollué nos vies, nos environnements, nous ne savons pas. Et nous devons les sanctifier. Vous savez, chaque fois, Dieu vous faisait des sacrifices
en disant au Seigneur, peut-être que mes enfants ont péché contre le Seigneur. C'est la sagesse. Donc peut-être que votre environnement a été déjà pollué par la présence d'un esprit impur, par la présence d'un esprit ancestral, par la présence d'un ange déchu. Nous allons assainir maintenant nos vies et notre environnement. Élevez votre main droite, dites mon Père, pendant que je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'assainis ma vie, mon environnement, mes entreprises, mon ministère, mon foyer, par le sang de l'agneau, par le feu du Saint-Esprit, par le tonnerre, par le vent violent de l'Éternel, par la main droite, robotique de combat de l'Éternel, j'assainis ma vie. Commencez par prier. Aradaye Kushada. Agudalia Gudalia, Azagadadus, Abelegredesh, Azagadaduza, Agudemberedege, Azagadaduze, et Badaruske, Aranoma Kilorodo Bakurasia, 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 Indala, Indala, Azegedede, Abada Gamaruseke, Eliro Sebrandiatush, Eliro Zabila Granda Hadesh. Alurudo so vina gabalu zegele gandea aruje leluze kolugudu vida handia talia barade yabako pariande kerudus. Il y a un monsieur qui s'appelle Diallo et vous êtes au Burkina Faso. Vous avez un ministère, mais le ministère ne prospère pas comme il faut. Le problème est que je regarde dans le ministère, toute la jeunesse se donne à l'impudicité. Pas de respect pour la pureté. Pas de vertu pour la sainteté. C'est pourquoi le ministère ne prospère pas. Monsieur Diallo, vous êtes au Burkina Faso. Et je vois l'impudicité qui règne dans votre ministère. Je vous vois personnellement faire beaucoup d'efforts de consécration. Mais le ministère ne s'étend pas. Parce que le ministère est basé sur l'iniquité. Et j'intercède maintenant pour votre ministère. Que le sang de l'agneau coule. Que le sang de l'agneau coule maintenant. Que le sang de l'agneau purifie votre ministère. Que la grâce de la sainteté descend sur le ministère. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alibroso valigrahate. Alibro diga baruza livahandu sabaro. Zakino brende. Agada brende. Abaria teniga. Azagadurudush. Akudele berede. Azagadarude bele ke maruda gayamazuze. Agarude gele gruze gede ragada yadaru sekedi ati agadarus. Agadaruze zanuza la mahanta. Balubrando vrodo vege bendidro musubre indi gadiande shkada. Aujourd'hui, nous voulons prier sur la malédiction. Nous voulons prier contre la malédiction. Je vous assure, vous en avez besoin. Nous allons intercéder contre les œuvres de la malédiction. Il y a un verset qui parle surtout de la malédiction. Habacuc chapitre 3, le verset 11, je crois. Il dit, la pierre criera du milieu de la muraille et le bois qui dit la charpente lui répond. Cela veut dire que c'est une incantation puissante de malédiction. Cela veut dire que la malédiction appellera les hommes depuis leur source. Et ils répondront à la malédiction. Ils répondront aux sources du malheur. Donc la première prière que nous allons prendre, toute malédiction qui m'appelle, que le sang de l'agneau les réponde à ma place. Je vous assure que la malédiction vous appelle jour et nuit. Quand vous confiez l'affaire le plus prospère, ou bien la plus prospère du monde, vous allez échouer. La malédiction est désastreuse. Je n'ai jamais vu quelque chose qui est plus désastreuse que la malédiction. Très désastreuse. La malédiction peut ravager, créer du carnage. La malédiction peut créer du tsunami. La malédiction peut déclencher des volcans. La malédiction peut...
regroupements familiaux. Que le sang de l'agneau les répande. Que le sang de l'agneau les répande. Que le sang de l'agneau les répande. Toute malédiction qui m'appelle depuis mes fondements. Que le sang de l'agneau les répande. Toute malédiction qui m'appelle depuis mon passé. Toute malédiction qui me rattrape depuis mon passé. Que le sang de l'agneau les répande. Élevez votre main droite de victoire. Dites mon Père, pendant que je prie, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toute malédiction qui m'appelle, que le sang de l'agneau les réponde. Toute malédiction qui appelle mon nom, que le sang de l'agneau les réponde. Toute malédiction qui appelle mon nom, que le sang de l'agneau les réponde. Commencez par prier. Aradai kaliro sekele gadari azosa. Abelarado varuba giasukra diakene braus. Aravela gabazeana. Zego digrebonde varuba zigra baduj. Azigadar nagila garado varuna bazuj. Rekabala hatesia. Regardez, quand je priais maintenant, le Seigneur vient de m'expliquer quelque chose. Que vous allez voir plusieurs personnes qui prient pour la bénédiction et ils ne sont pas bénis. C'est parce qu'il y a une présence. Ça peut être infirme. C'est parce qu'il y a une présence de la malédiction. Vous voyez des gens qui sont surveillés jour et nuit et ils prient contre l'esprit de surveillance. Mais l'œil de surveillance maléfique est toujours sur eux. C'est parce qu'il y a une semence de malédiction. Vous voyez des gens qui répondent au principe mais qui n'ont pas de résultat. C'est parce qu'il y a une source de malédiction. Vous voyez des gens qui font l'effort, qui travaillent, qui sont dynamiques, mais qui ne sont pas bénis. Il y a une malédiction cachée quelque part. Vous voyez des gens qui sont sous oppression démoniaque et on prie pour eux, mais les choses ne changent pas. C'est parce que l'ennemi se positionne sur une malédiction. Nous allons prier. Agudeberete liga bahasuka. Alolololo, il est dégueza banikrobazé. Abaranova la manke bete. Azagadum, hega balahea. Aberedo sukutuya kide belegede. Abadaduria, daruya, duria, duria. Ezegede, gede, gede. Marani kalubra hatesh. Toute malédiction qui m'appelle, que le sang de l'agneau les réponde. Azage la gadari aduza gida bruna zibru. Aziga duri abira dirga bodavarnos. Abarna liga barna lege da barnus. Abarna liga liga bardoze vea. Radaye kele baradush. Akuberedesh. J'entends le Seigneur me dire, je suis en train de couper les arbres de la malédiction de leur vie. Élevez votre main et déclarez, Seigneur, coupe, coupe depuis la racine les arbres de la malédiction de ma vie. Coupe-les, déracine-les, déracine les piliers de la malédiction. Répétez après moi, déracine les piliers de la malédiction. Déracine les arbres de la malédiction. Déracine les fondements de la malédiction. Déracine les lois de la malédiction. Déracine les de ma vie. Abarakino zobranta. Erose gede garidaga garidaga gere kete yagadas. N'avons pas le temps pour citer les malédictions, mais je peux vous dire, la malédiction peut venir de Dieu lui-même. Quand vous étudiez le livre de Deutéronome, chapitre 11, chapitre 27, chapitre 28, vous allez voir que le Seigneur a dressé la malédiction. Si vous n'obéissez pas au Seigneur, il y a une malédiction qui est attachée à la désobéissance. Il y a la malédiction qui peut venir des hommes. C'est pourquoi la Bible déclare que la malédiction sans cause n'a pas d'effet. Et il y a la malédiction qui peut venir de vous-même. Il y a plusieurs personnes qui se sont maudites sans le savoir. Et il y a la malédiction qui peut venir des démons. Quelle que soit la malédiction, la solution, c'est le sang précieux de l'agneau.
qui active en votre faveur les deux alliances, l'alliance d'Abraham et l'alliance de Jésus. L'alliance d'Abraham et l'alliance de Jésus. Ces deux alliances peuvent briser la malédiction. Malenga bariaski dahazo. Selon Nombre chapitre 5, le verset 21, la Bible déclare que le Seigneur livre à la malédiction et à l'exécration mes ennemis dans leur famille et dans leur nation. Que le Seigneur livre vos ennemis. Que à la malédiction et à l'exécration vos ennemis. Élevez votre main droite. Vous savez, vous ne devez pas être maudit, mais vos ennemis doivent être maudits. Ça, c'est ça. Ça, c'est une réalité. Élevez votre main droite, déclarez, dites, mon Père, pendant que je prie, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, toute malédiction dans ma vie, soit qui provient du ciel, des hommes, du diable, soit maintenant annulée par la bénédiction d'Abraham et la bénédiction de Jésus. Par l'alliance d'Abraham et par l'alliance de Jésus. Toute malédiction, quelle qu'en soit la source, annulée par l'alliance d'Abraham et l'alliance de Jésus. Commencez par prier. Marande Kassasouza. Marande Ligadarouze. Agadarouze Gele Gadarouze. Abaradouya Gibarado Sokoroti Akibalaresh. Abaradila Gabraluna Berolodo Zigeye Gele Gerege Duriandus. Abaradila Garamade Zigederuda Gidazo. Barade Lekemaruda Ikerezuye Kereduya Viriandi Akidos. Abaranila Dariandokush. Abaradilandi Akila Hande. Zabaradulo Duro Duro Duro. Ekele Boroni Amazuze Hele. Ekobrege de Radia. Toute malédiction, quelle qu'en soit la source, soit maintenant confrontée et annulée par l'alliance d'Abraham et l'alliance de Jésus, par le sang de l'agneau. Skadia Kadus, Agados Kadus, Azagadaveve, Azabila Radabayukush, Akutebregagele Kemardoveza, Aberelo. Huze nagaive nazaze barujali namakuriante abalarade agabarade agaradi agadari agadahea zagadarus agadabelebele. Et là où je vous parle, je vois que une malédiction a été libérée et les enfants de la famille n'arrivent pas à accoucher, n'arrivent pas à produire, à être fertiles, mais par le sang de l'agneau, nous annulons cette malédiction. Nous annulons cette malédiction par le sang de Jésus. Vous savez, nous allons demander la miséricorde de l'Éternel qui annule toute forme de malédiction. Dites mon Père, pendant que je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je réclame la miséricorde supérieure, suprême de l'Éternel qui annule toute forme de malédiction. Descends sur ma vie. Abegada begada zegi dadigo marude kete azagada geda abela radayele gudarido bogozige yekele buruda vaguas abalere gede 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 nagadaria buzagrush abalare gede 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 naria digaro zegradush abalare gede gede gadaradia dus kanadi intabarush. Abala rege rege garaga igorodo sodorobi agida bramandesh. Ariano lobo korodo bele rege de lagania gadahus. Abala raniana ke koria zugaduze. Agadibro malibaranegaze. Ruze leboro di agabrunda. Shaluna brege de liga baranazo. Abega dabera. Ariga dabera zegederia barushulu katimante azagadumbe azagadumbe akuda berete. Nous continuons. Que le Seigneur livre à la malédiction mes ennemis dans leur famille, dans leur nation. Que le Seigneur les livre à la malédiction. Commencez par prier. Mon Père, pendant que je prie,
au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que le Seigneur livre à la malédiction mes ennemis. Azaga la beroto kabayande, azabe la rade ya gadaru zegia, abidagra gutekita likrahazo. L'Éternel est très merveilleux. Je vois une grue, des grandes machines de construction que le Seigneur a envoyées dans une nation pour enlever quelqu'un et le déposer dans une autre nation. Je ne sais pas qui. Dans Deutéronome chapitre 11, verset 26, la Bible déclare, nous pouvons prendre cette prière de là, que tout choix de malédiction inconsciemment soit annulé par le sang de l'agneau. Vous savez, la malédiction dépend de votre choix. La Bible déclare, je mets devant vous la bénédiction et la malédiction. Et le Seigneur dit, je vous conseille de choisir la bénédiction. Donc la malédiction dépend de quoi? De votre choix. Donc nous allons prier maintenant. Tout choix de malédiction qui a été effectué inconsciemment soit annulé par le sang de l'agneau. Tout choix de malédiction que j'ai eu à effectuer inconsciemment ou consciemment, annulé par le sang de l'agneau. Commencez par prier. Rida baka sauvé. Azegede burideva. Baruzu krunali kabe. Abarodo loko sabi larade. Azigidi nakarina maroto baria. Indalara ni azege. Je vais prier pour vous maintenant. J'invoque la miséricorde de Dieu sur votre vie. Et j'annule la puissance de la malédiction. Que le sang de l'agneau crie haut et fort et vous libère de toute source de malédiction. Vous déconnecte de tout réservoir de malédiction, de toute déclaration, enchantement, divination, projection satanique de malédiction. Que le sang de l'agneau les annule. Aujourd'hui, par le sang de l'agneau, nous mettons fin aux activités de la malédiction dans votre vie. Soyez libérés, 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 libérés de la malédiction. Que vos activités, l'œuvre de vos mains, soient déconnectées de la malédiction par le sang de l'agneau. Recevez la vitesse et l'accélération. Et soyez libérés de toute malédiction. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vois quelqu'un qui a une infection démoniaque. C'est par cette infection que le diable manipule votre vie et bouffe votre argent. Et là, vous n'êtes même pas sûr de donner naissance. Vous n'avez pas encore d'enfant. Mais cette infection a détruit complètement vos spermatozoïdes. Mais le Seigneur, l'Éternel, est en train de me dire que il est en train de vous guérir de cette infection et en train de reconstruire votre spermatozoïde. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. N'oubliez pas, nous sommes dans une saison de délivrance et nous allons nous concentrer plus sur la délivrance. Inscrivez-vous aux 90 nuits de la délivrance. Même aujourd'hui, je viens de recevoir plusieurs messages, plusieurs témoignages. Le Seigneur est en train de faire des délivrances. Nous lui donnons toute la gloire. Donc connectez-vous et vous verrez la gloire de Dieu. Abonnez-vous maintenant et n'oubliez pas de liker la vidéo. Libérez une semence et le Seigneur ne manquera pas de se glorifier dans votre vie. J'allume le feu dans vos vies de rêve. J'allume le feu dans vos vies de vision. Qui est de résurrection, résurrection, résurrection maintenant. Que vos vies de rêve soient claires. Que les signaux dans vos vies de rêve soient clairs. Au nom de Jésus.